championnat. 7th position to Romaric Champlou and Nicolas Misset. 8th position to Jason Mandel, Team Spanish. 9th position to Otmar Poggi and Lamen Ravera, Alexandre Tourbis. Julien Venman, Étienne Bax ou encore Marie-Van Lichen. Et puis on attend bien sûr du côté des Français Kylian Prunier et Evan, l'équipage numéro 7, sont Zoumanis et bien Romaric Champlou et Nicolas Misset. Effectivement, ça sort notamment du côté de l'équipage numéro 18, Thomas Amar et Alexandre Tourbis qui sont les premiers à montrer l'exemple et qui s'élancent actuellement juste derrière. Il va y avoir Lucas Sarnier et Bastien Chopin, l'équipage tchèque français. Allez, Marvin Van Lichen et Robbie Bax qui s'élancent pour un dernier passage. Dernier passage donc pour Marvin Van Lichen et Robbie Bax. Je vous le rappelle de Marvin Van Lichen et Robbie Bax, leader, l'équipage numéro 3, les Belges qui ont pris le pouvoir. Je vous rappelle maintenant depuis deux tours qui ont creusé un écart intéressant pour pouvoir laisser Julien Venman et André Cermak à plusieurs secondes actuellement. L'équipage. Ils arrivent à la position.
pris la cinquième place avec Alexandre Tourdier. Je vous rappelle. Bon, ça a bougé actuellement. Effectivement, Jason Vandel, semble-t-il, a pris une place supplémentaire. Oui, confirmation, c'est Justin Coman qui a perdu du terrain. Et Alexandre Tourdier et Thomas Hamar qui sont en train de mettre une pression terrible. Effectivement, confirmation. Andrei Cermak, c'est confirmé. Trois tours à tenir actuellement pour l'ensemble de nos équipages actuellement sur cette piste de Gognon. Emmanuel Rumschelberg, les Suisses, actuellement deuxième. Pour le dernier tour actuellement pour l'équipage numéro 2, Julien Bellman et Andrei Cermak. On réussit à briser l'écart un tout petit peu avec Marco Alzer et Manuel Schelbert, alors qu'il est en train de passer sur la ligne droite de départ. Thomas Hamar et Alexandre Tourdier, l'équipage numéro 18, l'équipe de France, pour la 8e place actuellement. Et donc l'arrivée, c'est officiel. La victoire dans cette 2. Ici sur le circuit de Dardan-Gognon en Bourgogne. La victoire pour Julien Bellman et Andrei Cermak, l'équipage numéro 2.